Hola. Donc là, on part du camping de Caminha, premier village, ville au Portugal. Ouais, on a dormi au camping hier, posé la tente. Ça a plu une bonne partie de la nuit, là ça va. Ça a plu un petit peu moins. Donc on continue sur le Camino da Costa, direction Porto. Et c'est le 114e jour sur le chemin de Compostelle. Et là, on n'est pas exactement sur le Camino da Costa, mais on part du camping pour rejoindre en fait le long de la côte le Camino portugais. Voilà. Aujourd'hui, on va direction Viana. Deuxième étape au Portugal. Ça se remet à pleuvoir. Mais bon. Sinon, on a faim. On a mangé un pauvre petit croissant portugais ce matin. Avec un café. Voilà, bon, c'était au camping, hein, donc c'est normal. Apparemment, on va bien manger au Portugal. Je connais pas du tout la gastronomie portugaise. On va découvrir ça. Et voilà. Ok. Donc direction Viana. C'est parti. Ah yeah. Ok. Bon, on a rejoint la côte. Juste là, la petite montagne, c'est l'Espagne. Donc on n'est pas loin encore de la frontière. Alors on cherche un truc à manger. Bon ben, on est coincé sous la pluie. On s'est abrité là, ici. On est en train de cuisiner les pâtes. On va manger les pâtes ici. Et puis après, ouais, en espérant que la pluie cesse un petit peu pour qu'on puisse continuer direction Viana. C'est 4h moins le quart. Mise à jour avant de passer à la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, nous avons passé une nuit sous la tempête. On était trempés complètement avant de pouvoir poser la tente hier soir et de passer une nuit assez agitée, on va dire. Là, ce matin, il pleut toujours très très fort. Donc, nous nous réfugions dans un petit café rempli de pèlerins avec un propriétaire super accueillant. Comme toujours au Portugal, un esprit du chemin vraiment présent dans ce café. Avant de continuer sur Viana, donc on fera que 7-8 km aujourd'hui. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Voilà, voilà. Bon, nous sommes à Viana. Hier soir, on a passé une nuit sous la tempête, sous la tente, à côté d'une petite église, juste avant, 8 km avant Viana. On a fait un petit restaurant, typique portugais, très bon. Et oui, on a passé une nuit. On n'a pas beaucoup dormi. Donc j'ai pas beaucoup d'énergie pour cette vidéo. Mais bon, on est à Viana et c'est joli, joli, vraiment joli. Portugal, c'est vraiment joli. Et là, on va direction. On ne dort pas dehors ce soir. On est fatigué. Ouais, we look fat. Après, ben, on va aller poser le sac à l'auberge où on va dormir et puis après on va aller au McDonald's. Il y a un McDonald's. Hier on a mangé portugais, aujourd'hui on mange américain. Et après on va peut-être visiter aussi. Enfin, on va peut-être dormir. We don't know yet. Shower for sure. And washing machine. Yeah. Mais ouais. Il y a plein de trucs à visiter. Il y a une église sur une colline au-dessus du McDonald's qui est magnifique. En vrai. L'église au McDonald's. L'église au McDonald's. Une petite vidéo pour dire qu'on est toujours à Viana. On est dans l'auberge où on devait passer la nuit. On est dans une cuisine très accueillante où il y a une famille, plusieurs familles qui vivent ici. Il y a des va-et-vient incessants entre les chambres et le frigo. Tout le monde se sert, c'est la fête. On a bien mangé. Ça fait petite pâte. Tous les tiroirs, ils sont pleins. Le frigo, il est plein. Le congélateur aussi. Regardez. Il y a la glace. Hop. Là, on est dans une auberge. Hein. Je sais pas si c'est une auberge ici. Regardez, c'est blindé. C'est blindé. Il y a de tout. Et là, il y a quelqu'un qui avait oublié son thé dans le micro-ondes, donc ça fait chier tout le monde, mais le gars qui est arrivé, il a pris le thé, il a posé là. Là, le petit salon. Et nous, on a la chambre. Mais... on est en bas. Voilà. Bon, 116e jour sur le chemin de Compostelle. On est toujours à Viana do Castelo. Et là, on se dirige direction Marinhas today. On va re-rentrer dans les terres pour rejoindre à nouveau l'océan. Juste après, on a passé une bonne nuit. Pas sous la pluie, à l'abri. Dans une petite auberge où, comme j'ai filmé hier soir, la cuisine. Voilà, buen camino. Yeah. Et donc, nous voilà partis pour faire... almost 30 kilometers today. 26. Et ouais. Et je disais hier à Yana, je suis en train de tomber amoureux du Portugal. C'est beau, c'est beau. Franchement, ça fait du bien. Concurrence avec la France? Je sais pas. On va voir la suite. Hein. Mais ouais, c'est magnifique. Les chemins sont magnifiques. Les villes, les buildings,
Et les détails, c'est bien précis. Ça commence à pleuvoir. Non, mais c'est ce qui pleut, tu vois. Oh. Ok. Allez, c'est parti donc pour cette 116e journée entre sur le chemin de Compostelle, Camino Portugues, entre Santiago, Fatima, Lisboa. Voilà, let's go. On est en train de traverser le pont Eiffel. Donc ici ils n'ont pas la tour Eiffel, mais ils ont le pont Eiffel. Apparemment c'est un étudiant de Gustave Eiffel qui a dessiné ce pont. Voilà. Là c'est le port de Ghana. On a fait une petite pause là, ce midi, et là on arrive à une magnifique église. On est dans une autre église aussi juste avant, et c'est magnifique. Et là il y a une petite chapelle, mais bon, il y a beaucoup de marches à monter avant. Ouais. Rempli de fleurs là, l'église d'avant, et là ici c'est magnifique. Il y a des tableaux tout le long, mais il y a au moins 150 marches. Ah, yeah, ok. It's the announcement. Yeah. Wow. Ah, c'est Camino Portugues. Ah, this is the Nascimento. Nascimento. Nascimento, en portugais. La naissance. La crèche. Le baptisme, je pense. Yeah. Ok. Let's climb this mountain. On arrive enfin en haut. Ouais, donc là on avait une conversation avec Yana sur la partie française qui était magnifique, et on commençait à parler de Donativo. Il n'y en avait pas beaucoup en Espagne, hein, c'est pour ça. Et là, sur quoi on tombe? Avec les drapeaux portugais, sur un petit Donativo à la française. Bon, je vais pas dire à la française, à la portugaise. Ok. Yeah, they are doing good, the Portuguese. In the Camino, very good. Ah, yeah, yeah, yeah. Et là, petit livre pour laisser son pain. Yeah. On a fait
Un petit kilomètre après le Donativo où on était. Et là, on arrive à nouveau à un endroit. Tout est fait pour le pèlerin, pour que le pèlerin s'y sente bien ici. La fontaine est magnifique. Et là, on a l'église. Style portugais. Et cette devise qu'on a vue déjà une ou deux fois, pèlerin once, pèlerin forever, pèlerin une fois, pèlerin pour tout le temps, pour toujours, et encore, j'ai pas filmé l'autre, mais on a vu un autre cimetière en fait, et aux portes des cimetières, en fait, c'est logique. Hein. C'est un cimetière. Cette église. Camino portugaise, nous tombons amoureux de toi. Big arrow. Very nice. Portugal is always surprising me. Surprising us. Yeah. Big arrow. Yeah. Bon, on arrive à Marinha. Et là, on vient de tomber sur un signe où c'est la première fois qu'on voit le kilométrage pour aller à Fatima, 245 km. Et nous, on est parti de Finisterre, 264. Chia, 263. Santiago, 208. León, 407. Yeah. Il nous reste plus qu'un kilomètre, puis on va aller se poser, se reposer. Et voilà.